Salut à tous, c'est Diego Har. On se retrouve pour la suite de cette clé de Prince of Persia. Et j'ai utilisé un code qui m'a permis de retourner au niveau 10 avec 60 minutes restantes et 6 points de vie d'ailleurs, au lieu des 4 que j'avais à l'époque. Donc du coup là je me retrouve avec 7 points de vie, donc ça fait un de plus que j'ai récupéré au niveau 11 vu que j'ai refait les niveaux. Vu que j'ai refait les niveaux 10 et 11, du coup, parce que j'ai pas trouvé de passeport pour le niveau 12, bon. Et donc là, merde, j'ai refait toute la connerie que j'ai fait la dernière fois, c'est-à-dire aller à droite, activer l'interrupteur et refaire le tour pour revenir ici. Sauf que cette fois, j'ai pas activé la dalle avant de venir. On va en haut à droite. Attendez, prendre le droit, j'ai un peu de temps. Et donc, on va voir si le fait de ne pas l'avoir activé la dernière fois, c'est ça qui me faisait me bloquer. Alors on va voir ça. Il faut que je me dépêche. Mais non, mais il est trop con. Je peux faire ça. Ah. Je voulais me baisser pour passer en dessous de la porte. On me dépêche. Hop. Non, mais... C'était ça. En gros, il fallait pas activer l'interrupteur. Il fallait pas activer l'interrupteur que je viens d'activer la dernière fois. Il fallait l'activer que maintenant, pour pouvoir repasser la deuxième fois. Ce qui n'a aucun sens, parce que la dernière fois, il était laissé activer, donc la porte qui est en bas, ouverte maintenant. D'ailleurs, il faut pas qu'elle se referme, donc je vais me dépêcher. Elle aurait dû rester ouverte, puisque c'est une dalle qui est posée sur l'interrupteur. Je comprends vraiment pas pourquoi elle était fermée. Celui qui me trouve l'explication, bravo. En attendant, on va pouvoir terminer le niveau. Et le jeu, espérons-le. Maintenant que je suis un peu en mode Terminator avec mes 7 points de vie, au lieu des 5. Et avec mes 53 minutes restantes. C'est pas beau ça? Hop, on descend. On s'est à droite, ça devrait être la fin. Enfin, j'imagine que c'est la fin. Qui pourrait-il y avoir d'autre? Pas la fin. Ah mais oui, on y est arrivé là. Attendez. Maintenant que j'y pense. Non. Pourtant ça me dit quelque chose cet endroit. Un saut. Un peu chaud à faire, bon bref. D'où est-ce qu'on saute? De là? Du maximum. Hop. Oh, heureusement. L'interrupteur est en bas. Si on était arrivé là la dernière fois, mais en tout cas cet endroit me dit vraiment quelque chose. Peut-être juste une impression de déjà vu, je n'en sais rien. Hop, on va y aller doucement, quoique, on va sauter. Hop, et voilà, la fin. Ah bah, encore du temps. Bon bah, pour le coup, je sais pas si ça sert à grand chose de le prendre. On va quand même le prendre. Ah, mais non, d'accord, c'est pour. C'est pour stop. Oula. Mais non. Quelle arnaque. Mais non, mais... C'est pas possible. Je crois que ça allait stopper le temps. De façon à ce que les dalles ne tombent pas. Mais en fait, non, ça fait un truc bizarre, je sais pas quoi. Ça fait des tremblements de terre, c'est n'importe quoi. Oh, putain. Vous savez quoi je vais recommencer. Et on se retrouve tout de suite... A de suite. Hop, on se retrouve, donc on va recommencer. Hop là. On va réactiver l'interrupteur en bas. Il nous reste 54 minutes, donc c'est largement suffisant. Donc là j'ai rechargé ma sauvegarde. Non, j'ai pas rechargé ma sauvegarde, j'ai retapé le passeport, donc j'ai recommencé au niveau du début. Et pour éviter de perdre du temps, mais bon. Ça c'est une question d'habitude. J'aurais pu continuer directement, mais bon, au moins, je n'ai pas perdu de temps. Hop. On n'est jamais assez prudent. Bon alors, qu'est-ce que ça va faire cette connerie? Voilà, une espèce de tremblement de terre, et ça m'a ouvert la porte. Magnifique. Donc, c'était Diego Har, et je vous dis à la prochaine pour le niveau... Attention, le niveau 13. Ciao.